C'est à toi Lolo, et oui, c'est à moi Lolo, parce qu'on est à jeudi et qu'il est 19h, et que donc c'est le, le quiz in French de Lolo. Voilà, avec toujours 100 euros à gagner, et toujours les 400 points à marquer, et toujours les 9 questions, et toujours les 4 jokers. Jokers que vous ne pouvez plus utiliser qu'une fois par question. Donc je sais, certains nous. schlack » dans les réseaux sociaux, schlack » dans l'Apple Store, schlack » dans le Play Store. Ouais, c'est un scandale, on ne peut plus utiliser les 50-50 et les multiplicateurs de points. Oh oui, merde alors, putain, c'était un bug. Alors, on a réparé un bug. Alors, je comprends, c'était facile. Hein. Je sais pas, j'élimine une fois, j'élimine deux fois, et après je fais le x5. C'est plus du jeu, là. On n'est plus du jeu, là. On est dans la dans la n'importe quoi pour piquer le pognon de Bisewan. On n'est pas, pas dans un jeu où il faut juste faire marcher les ménages, quoi. Hein? Simple, basique. Comme dirait Elodie. Hein je dis, c'est quoi Aurél ça Elle avait dit simple. Basique, troisième mot, je ne vous le dirai pas. Allez, on y va, c'est parti. Neuf questions sur Aurelsan, parce qu'il est à l'accord hôtel Arena ce soir, que vous allez être des milliers à vous éclater devant lui, et pas moi, parce que moi je ne n'y vais pas et que je ne connais pas Orelsan. Voilà, alors attention, question number one. Qui était l'acolyte d'Aurelsan dans Bloqué Programme court diffusé sur Plus, n'est-ce pas Entre 2015 et 2016. Est-ce que c'était Big Flow Est-ce que c'était Joey Starr Est-ce que c'était Gringe Ou est-ce que c'était Oli ah, j'adore Oli. Chaque fois que je, je, je pense à Oli, je pense à Dodo. voilà. Et après, je pense à Big Flo. Parce que je crois que Big Flo et Oli, ça marche ensemble. Bref, la bonne réponse, c'était Gringe. Gringe, en effet, parce que ce programme court bloqué, eh c'est imaginé par deux personnes et qui étaient co-auteurs de la mini-série Bref. Et donc, cette super série bloquée, c'était deux mecs dans un canapé. Voilà, c'est quoi le résumé Deux mecs qui dis discutent assis sur un canapé en attendant qu'il se passe quelque chose. Ils ont décidé de ne rien faire. Bien vu, les mecs. Vous devriez tous faire la même chose samedi, ça éviterait un peu de bordel dans Paris. Allez, en tout cas, euh, réponse 3, donc Gringe, 51% de bonnes réponses. Pas mal, les gars. Bravo à Liliane Glees. Tu as réussi à marquer 10 points sur cette question, Liliane. Je te félicite. Simple, basique. Allez, on y va. Question numéro 2. Pour quel clip Aurel San a-t-il obtenu une victoire de la musique en 2018, c'est-à-dire cette année est-ce qu'il s'agit de défaite de famille, rêve bizarre, paradis ou basique Voilà, il a obtenu une victoire de la musique pour le clip d'une de ses chansons. Est-ce qu'il s'agit de défaite de famille, de rêve bizarre, de paradis ou de basique Eh bien, c'était simple, basique, la bonne réponse. Hein 54% de bonnes réponses. Euh, donc, après une absence du monde de la musique qui aura duré presque un an et demi. Et il y a eu des plaintes hein, pour qu'il ne revienne pas. Il revient avec le single Basique qui annonce la sortie de son nouvel album, La fête est finie, le 20 octobre 2017. Il contient plusieurs featurings Neckfeu, Maître Gims, Dizzy Rascal. Et l'album est certifié disque de diamant avec en plus trois victoires de la musique. Il n'y a pas eu que le meilleur clip. Hein. C'est là où il y a du talent chez cet homme et que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est moi qui suis dans l'erreur, c'est moi qui suis dans la faute. Aurel San, pardonne-moi. Je suis simple et basique, ne m'en veux pas. Allez, dans quelle chanson Aurel San, sorti en 2009, a fait scandale Une de ces chansons, est-ce que c'était pendant les, Pendé les blancs, ça le pute basique ou Sacrifice de poulet Donc une de ces quatre chansons euh, a fait l'objet d'un scandale en 2009. Et en effet, une polémique va d'un seul coup faire son apparition autour du titre qui s'appelle Sale put, euh, qui est d'ailleurs un morceau qui ne figure pas sur l'album San, mais uniquement diffusé sur Internet. Et il faut savoir que la polémique, à peu près, jaillit deux ans après, quand même, que le, le titre il soit sur le, sur le web. Hein. Voilà, et ça a été jusqu'à la secrétaire d'État, Valérie Détard, qui dénonce une incitation à la violence envers les femmes, ce qui ralentit les ventes du disque. Alors que Orelsan dit, en fait, c'est vraiment juste une œuvre de fiction euh, qui exprime l'émotion que peut ressentir un homme trompé par sa femme. Moi, je pense qu'on devrait imaginer un clip d'une nana, tu vois, trompée par son mec. Euh, elle est habillée hyper classe, elle picole, parce que c'est à peu près ça, il est habillé en costard et il picole. Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire Dites-moi, Elodie, qu'est-ce qu'elle dit, nana, à son mec quand elle est trompée par son mec oh, tu sais pas. Enculé Voilà. On pourrait l'appeler comme ça, le titre. Tu vois Voilà. Allez, alors, Jitch. Jitch, 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 N. Bravo, tu marques 60 points. Chapeau, 61 de bonnes réponses sur la question. Bravo, mes petits bonheurs préférés. Je vais vous proposer la question 4. Quel est le nom du groupe de Grinch et Orelsan. Gringe et Orelsan, pas le Grinch, hein, Gringe et Orelsan. Est-ce que c'était les Casseurs Floaters, La Caution, le Club des Losers ou Hocus Pocus Voilà, il y a un de ces quatre noms, c'est un vrai nom de groupe de musique qui rassemblait Gringe et Orelsan. Et à 59%, j'ai l'impression que vous allez trouver la bonne réponse c'était les Casseurs Floaters. Et là, il y a Tristan, il me dit, tu n'as pas mis de commentaire. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je mette comme commentaire sur le nom d'un groupe que je ne comprends même pas, les Casseurs Floaters hein, Ça veut dire quoi, les Casseurs Flotters Je ne sais même pas en quelle langue c'est, moi. Voilà, donc je n'ai pas mis de commentaire. Allez, 59% de bonnes réponses. On passe à la Q5. Ce sera mieux. C'est sur quelle chanson Aurel a-t-il invité Stromae Est-ce qu'il l'a invité à chanter sur le titre Saint-Valentin Sur la terre est ronde, tout va bien, ou la pluie voilà, vous il il, vous rendez compte, il a du featuring dans son album Orelsan, euh, et notamment Stromae. Voilà, le, Vous savez, celui qui chante ⁇ Papa ou Té ben ⁇ ce n'est pas du tout salaire, mais c'est pas grave. Et... <laughs> et ça rigole en régie, je ne vous dis pas. Bref, la bonne réponse, c'était La pluie. Et vous savez pourquoi ça s'appelle La pluie parce qu'il y en a un qui vient de la Normandie et l'autre qui vient de Bruxelles. Et alors, si vous comprenez pourquoi ils ont chanté ensemble sur une chanson qui s'appelle "La Pluie", c'est parce que c'est quand même la météo qui voit le plus souvent du monde. Voilà. Et donc, euh... voilà. Et en plus, Stromae est présent à la production, pas que à la chanson dans ce, dans ce titre. Stéphane Pouderoux, tu marques 200 points, mon chouchou, sur cette question. Bravo, Stéphane. Je te félicite. Je vous propose un petit point sur le classement parce que j'ai Léo Brian. Léo Brian. Léo Brian, je ne sais pas, 240 points, tu es en tête, Chouchou, devant Stéphane, justement, et Angus avec 170 points. Bravo les gars, vous vous rapprochez des 400 points. La barre fatidique pour aller prendre le pognon à Bizoan. Eh bien, allez-y, il ne vous reste plus que quelques petites questions. La 6, la 7, la 8, la 9, ça en fait 4. Et attention, on attaque la 6, c'est maintenant, c'est tout de suite. Quel est le titre du premier album San sorti en 2009 S'agit-il du chant des sirènes de « Perdu d'avance », de « La fête est finie » ou de « La vie de rêve ». Voilà, il y a un album d'Orelsan, il s'appelle euh, « Le chant des sirènes », de « Perdu d'avance »,« La fête est finie » ou « La vie de rêve ». Et c'était le titre de son premier album, avec des instrumentaux composés par Scred. L'album comprend plusieurs participations musicales. Reste là, toi, les commentaires, dont celle justement de Gringe et Ron Thal, qui est un ancien guitariste des Guns N' Roses, wow. revendiquant ses 14 ans d'âge mental. Ses humeurs de cancre assis au fond de la classe et son mental de puceau frustré, Aurel San a tout pour agacer. Simple, basique, c'est perdu d'avance. Voilà la bonne réponse. 51% de bonnes réponses, les bonheurs, bravo. Et là, je viens de perdre mon questionnaire. Et là, j'ai l'air très, très bête. Euh, Est-ce qu'il est revenu, mon questionnaire Reviens là, toi. Ah, le voilà. Ah là là, je vous dis pas. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, quel est le, on est à la 6, on est à la 7, on attaque la 7. Merci à toi. Lequel de ces morceaux d'Aurel se trouve dans l'album La fête est finie Parce que La fête est finie, c'était aussi un album, ce n'était pas le premier. D'accord Défaites de famille, changement, la terre est ronde ou suicide social. Voilà, un de ces titres est présent dans l'album La fête est finie. Et là, je m'inquiète parce que je vois que les stats, elles ne se mettent pas un jour chez moi. Donc, je vais devoir croiser les doigts. Espérer que tout va bien. Elles viennent chez toi Allez, un petit coup de refresh. 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 Oui, 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 tu les as Eh ben pas moi. Ah si, ça y est. Ça y est. C'est arrivé. D'ailleurs, je félicite Sarah. Goshalvesh, Toresh, qui marquait 4 shampoings rien que sur la question. Ben non, je l'ai pas dite encore. Elle a fait partie des 63% qui ont dit défaite de famille. C'est simple, c'est basique, c'est Aurel San. Et la fête est finie. Et il reste encore deux questions. Et on y va, mes chouchous. Dans le, quel film Dans la question 8, n'est-ce pas Dans quel film Aurel a-t-il co-réalisé avec Christophe Offenstein en 2015 Est-ce qu'il s'agit de Karma Est-ce qu'il s'agit de Dans tes rêves Est-ce qu'il s'agit de De l'encre Ou est-ce qu'il s'agit de Commencer loin Voilà, c'est le nom d'un de ces quatre noms qui est celui du film qu'il a co-réalisé. Avec Christoph Offenstein en 2015. Voilà, C'est l'histoire d'ailleurs des Casseurs Floaters avec Grinch. Voilà, sorti le 9 décembre 2015. S'accompagne d'un nouvel album des Casseurs Floaters qui est aussi la bande originale du film. Comment C'est loin voilà, Dans tes rêves, jamais tu le verras. Et moi, j'ai perdu mon karma. Je n'ai pas le moral, je vois de l'encre partout. Mais donc la bonne réponse était commencée loin, 57% de bonnes réponses, dont Cathy Matt, 29. Et je fais un petit point sur le classement avant d'attaquer la dernière question, celle qui vaut 100 points. Alors, qui est en tête Do avec 780 points devant Paul, 780 points. Et Redouane Makyush, 770 points. Bravo à tous les trois. Vous êtes déjà éligible à la cagnotte des 100 euros. Est-ce que vous allez choper la cagnotte des 50 euros supplémentaires Nous allons le savoir dans à peu près 20 secondes. Neuvième et dernière question, quelle marque de vêtements unisex a été créée par Orelsan Est-ce que la marque s'appelle Avenir Est-ce qu'elle s'appelle Com8 Est-ce qu'elle s'appelle Senzu Ou est-ce qu'elle s'appelle OKLM Voilà, une marque lancée en collaboration avec le designer Sébastien Strapazzone en 2014 entre Paris et Lausanne. Une marque de vêtements streetwear qui a sorti sa deuxième collection il y a quelques années. Unisex. Ces séries sont essentiellement composées de suites allant du pantalon de jogging déstructuré au bonnet brodé, majoritairement pensé pour être détourné. C'est l'éloge de l'urban style, n'est-ce pas, cette marque qui s'appelle Avenir. Bravo, Sam, d'avoir créé cette marque Unisex. Et bravo à Maxime Thorag, qui a marqué 500 points sur cette question, x5 sur les 100 points. Magnifique, belle stratégie. Et alors, j'ai combien de joueurs classés Dites-moi. Oh là là, j'en ai plus de 677. J'en ai encore un paquet qui ont fait le sans-faute de chez sans-faute de la mort qui tue. N'est-ce pas Donc, euh, vous êtes combien Oh là là, oh là là, oh là là. 68 joueurs parmi vous qui ont réussi à faire le sans-faute maximum et à remporter 1 euro et 1 centime. Bravo à tous. Et j'attends la... L'affichage du nombre de gagnants total, euh, Elodie, s'il te plaît. 361 joueurs ont réussi à marquer plus de 400 points et donc à se partager la cagnotte de 100 euros. Eh bien, c'est génial, vous gagnez chacun 28 centimes. Alors, ben, j'ai mes amis d'Égypte, Kamel, Khaled M Nagib. Pardon Oui, un euro zéro, mais je l'ai déjà dit, mais tu n'écoutais pas. Parce que tu es distraite par Marion qui te parle dans l'oreillette et par Yves qui vient faire des claquettes. Je vois ça, n'est-ce pas Bon, allez, bref, euh, en tout cas, bravo à tous. Demain, on est vendredi. Et donc, vendredi, c'est Benoît qui s'y colle, c'est pas Lolo. Euh, tout à l'heure, vous avez rendez-vous, comme d'habitude, à 20h avec la belle, la somptueuse, la merveilleuse et la douce Hayley Edmonds. À 21h, c'est le beau, le magnifique et sémillant Alfonso Loer qui va vous faire les quiz en espagnol. Demain, comme d'hab, 5 shows. Et samedi, 9 euh, shows. Voilà, ouais, 9 shows samedi. voilà bon, ça me paraît pas mal. La mise à jour a eu lieu, donc je, je dis à mes amis Warners qui nous schlac, schlac, ah, ça va être plein de bugs, machin. Non, je crois pas, là, tu vois. Puis s'il y en a, ça arrive, c'est la vie. Parce que nous, on a quand même des équipes qui bossent jour et nuit 24, 24, pour essayer de résoudre les bugs et les dysfonctionnements. Mais là, normalement, la mise à jour, elle va permettre de, de caler deux, trois petites choses qui n'allaient pas très bien, notamment sur le format paysage, vous savez, quand vous jouiez, il fallait scroller, machin. Ça ne vous plaisait pas, ben, ça y est, c'est corrigé normalement. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à lundi pour un nouveau quiz and French avec Lolo. Et d'ici là, éclatez-vous bien. Allez, bisous les bonheurs. Ciao. Ciao, ciao.